La barbe de maïs pour perdre du poids. Certainement, tu te poses la question de savoir, hein, la barbe de maïs pour perdre du poids. Et oui, la barbe de maïs a aidé des centaines de personnes à perdre du poids, mais également à pouvoir, n'est-ce pas, rétablir leur santé, améliorer leur santé. C'est la thématique d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais, n'est-ce pas, vous dénicher les bienfaits extraordinaires de la barbe de maïs. Et surtout, comment est-ce qu'elle agit sur la perte de poids? Restez jusqu'au bout, c'est tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la perte de poids. Et on va voir, n'est-ce pas, un élément ou je dirais une substance alimentaire qu'on néglige très souvent, mais qui a d'énormes bienfaits sur la santé. Déjà, pour ceux qui me découvrent et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, bienvenue sur Naturellement Votre Santé Vous à l'Aise. Ici, on parle de nature, on parle d'alimentation, de nutrition, de sport et on parle également de détox à base des plantes, des jus, des légumes, des fruits et tout ce qui est complément alimentaire. Je suis Richie, diététicienne, coach sportive. Je vis en Allemagne et ça fait pratiquement déjà 6 ans que j'accompagne les personnes à retrouver le plaisir de s'alimenter sainement, à améliorer leur santé par le biais de la nutrithérapie. Donc, entrons dans le vif du sujet. La barbe de maïs. Premièrement, la barbe de maïs est considérée comme un diurétique, un antiseptique, un antispasmodique. Alors, quels sont les bienfaits de la barbe de maïs? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes que j'accompagne au quotidien qui passe par ce qu'on appelle des crises de détox. Généralement, lorsque vous faites une transition alimentaire, l'organisme a tendance à manifester certains symptômes qu'on appelle crise de détox ou alors des crises de guérison. Ce sont des bons symptômes en fait. Ça prouve que votre organisme est en train de se nettoyer. Et la majorité des personnes qui ont beaucoup de poids ou alors qui sont assez toxiques, qui ont beaucoup d'acidité dans l'organisme, vont manifester, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler des œdèmes, des gonflements de pieds, gonflements de mains, bref, tout le corps qui, vous avez tendance à retenir, vous retenez de l'eau en fait, et vous vous sentez lourd, vous avez tendance à ne pas perdre du poids, c'est tout à fait normal, pourquoi? Parce que toutes les toxines entre autres, l'acidité, la toxicité, les déchets d'organisme qu'on appelle concentration en déchets et en toxines vont, n'est-ce pas, être dispatché dans la circulation sanguine un peu rapidement. Et là, le corps se sent menacé. Et qu'est-ce que le corps fait? Le corps va donc vouloir piocher dans ses réserves de minéraux, tout ce qu'il va rencontrer comme minéraux, pardon. C'est-à-dire quand vous allez boire de l'eau, quand vous allez consommer des jus, tout ce qui contient des minéraux, le corps va retenir. Le corps aura tendance à retenir ces minéraux-là pour pouvoir diluer l'acidité et favoriser, n'est-ce pas, empêcher en fait que ces toxines, cette concentration en toxines-là détruisent les tissus, alors agresse les tissus de l'organisme. Donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là vont retenir de l'eau. Ça ne sert à rien de boire de grandes quantités d'eau parce que vous allez retenir. Maintenant, où est-ce que la barbe de maïs vient agir? La barbe de maïs, cette excellente plante, va, n'est-ce pas, aider ces personnes-là à évacuer l'excès d'acide, à évacuer cet excès d'eau que le corps a accumulé. Et ça va vous permettre comme ça de pouvoir perdre facilement les kilos. Parce que beaucoup de personnes sont étonnées lorsqu'elles commencent un programme de perte de poids. Et au début, elles voient juste qu'elles prennent du poids en fait. Vous ne prenez pas du poids, mais vous avez fait une rétention d'eau qui fait monter bien évidemment le chiffre sur la balance. Donc, dites-vous juste que vous êtes en train de faire une rétention d'eau et lorsque vous allez évacuer cet excès d'eau-là, vous allez voir que le corps va bien se sentir et va entamer, n'est-ce pas, son processus de perte de poids. Alors, il y a des personnes à qui j'ai beaucoup conseillé la barbe de maïs et qui ont vu, n'est-ce pas, leur problème de dème disparaître. Donc, je vous conseille également d'utiliser la barbe de maïs. Comment est-ce qu'elle s'utilise en thé ou alors en tisane? Vous faites juste bouillir 10 minutes la barbe de 2 à 3 épis de maïs pendant 10 minutes et puis à feu doux. Et là, vous laissez reposer 10 minutes également et puis vous mettez dans une tasse. L'eau, en fait, vous mettez dans une tasse. Vous buvez matin à jeûne une tasse
après les repas, une heure avant, après les repas, pardon, et le soir avant de dormir, trois fois par jour, pendant maximum 7 jours, et je vous garantis que vous allez observer d'énormes résultats. Ou est-ce que la barbe de maïs agit également? La barbe de maïs, n'est-ce pas, est un super puissant détoxifiant des voies urinaires, des reins. Donc ça va détoxifier, nettoyer les tissus des voies urinaires et des reins. Également, la barbe de maïs permet, n'est-ce pas, d'abaisser le taux de glycémie. Pour des personnes qui ont eu un taux de glycémie élevé, j'ai eu généralement à leur conseiller la barbe de maïs qui a très bien fonctionné. Également, la barbe de maïs aide aussi pour des personnes qui ont des problèmes de digestion, qui ont des œdèmes, comme on a tantôt dit tout à l'heure. Les personnes également qui ont les hommes qui souffrent de prostatite. Et également, les personnes qui ont des calculs ou des lysiases au niveau des reins et de la vésicule biliaire. C'est pas tout. La barbe de maïs peut également aider des personnes qui ont des problèmes comme la cystite. Également, l'hypertension. Donc, l'hypertension également, la barbe de maïs va vous aider à régulariser votre tension. Et franchement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin des médicaments avec le temps. Donc, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, qu'elle vous a édifié. Déjà, franchement, je vous prie de bien vouloir partager au maximum la vidéo. Taguer des personnes, envoyer dans des groupes. Faites voir la vidéo, faites visionner la vidéo à vos parents. Parce que franchement, on a beaucoup de parents en Afrique, pas seulement en Afrique, partout dans le monde, qui souffrent de problèmes de diabète, hypertension, qui ont des problèmes de calcul rénaux, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de prostatite, qui ont des problèmes de gouttes liés à l'acidité dans l'organisme, excès d'acidité dans l'organisme. La barbe de maïs ne coûte pas grand-chose, c'est pratiquement gratuit. Et franchement, le message est important. Partagez le message, partagez la vidéo, ça peut sauver des vies. Il y a des personnes qui sont déjà dépendantes des médicaments depuis déjà longtemps. Et la barbe de maïs va venir, n'est-ce pas, vous aider. Vous allez voir énormément de résultats. Et franchement, vous allez être surpris. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Restez connectés. C'était Coach Richie, diététicien, naturothérapeute, coach sportif. On se dit à très bientôt. Bye bye.